Savez-vous qu'à la bibliothèque municipale de Soustons, chaque mois, un petit comité de lecture se réunit autour d'un thème et d'un café? Mercredi dernier, le temps était plutôt maussade, mais les amoureux de lecture étaient quand même au rendez-vous. Regardez. Une fois par mois, un comité de lecture se retrouve à la bibliothèque municipale de Soustons pour échanger sur leurs découvertes littéraires. C'est un rendez-vous, donc on choisit un thème. Tous ensemble, en début d'année, on choisit des thèmes pour le semestre. Et ensuite, chacun lit un livre en rapport avec le thème choisi. Et ensuite, on en discute pendant l'après-midi. On dit si on a aimé, si on n'a pas aimé. Lui donner envie ou pas, parce que quelquefois, c'est des livres qu'on n'a pas forcément aimés. Mais en général, c'est fait pour ça, pour lui donner envie de le lire aussi, de partager le plaisir qu'on a eu. Au programme du jour, les prix littéraires 2010-2012, avec trois œuvres choisies par le comité de lecture. Il n'y a pas de moment de lecture, sauf si quelqu'un a repéré un petit paragraphe et veut le lire, oui, bien sûr. Après, ça peut déboucher sur d'autres choses, par exemple, des choses plus historiques. On apprend des choses, c'est aussi un enrichissement, quelque part. Parce que bon, le jeu consiste évidemment à résumer le livre, dire ce qu'on a aimé, mais aussi à parler des choses... du sujet, quoi, du sujet lui-même. Celui de Sophie Hoskonen qui s'appelle Purge se passe en Estonie après le départ des Russes, quand ils ont pris leur autonomie. Quelle autre question ? Celui-là m'a beaucoup plu parce que c'est une page d'histoire importante et qu'on ne connaît pas du tout de ces petits pays-là. Le style est un peu âpre, mais aussi poétique parfois. Les personnages sont violents. Mais c'est une très belle histoire et qui est encore d'actualité parce qu'on parle aussi de collaboration puisqu'il y a eu les Russes longtemps chez eux, la collaboration, est-ce qu'on peut juger, il y a plein de thèmes comme ça intéressants dans ce livre. Se réunir entre amoureux de la lecture, découvrir des ouvrages, échanger ou simplement écouter, le comité de lecture est ouvert à tous et gratuit. Quelquefois il y a des nouveaux, pas assez. Mais bon, il y a toujours un petit groupe qui vient régulièrement. Oui. Le prochain rendez-vous, c'est mercredi 11 février à 14h30. Venez nombreux, venez découvrir de nouveaux auteurs, venez faire connaissance avec les gens qui viennent tous les mois. C'est enrichissant, c'est intéressant, on s'amuse beaucoup. C'est pas scolaire du tout. C'est souvent très drôle parce qu'aussi il y a des moments drôles et il y a une très bonne ambiance et donc moi je voudrais qu'il y ait beaucoup plus de monde. Et puis essayer de développer un petit peu cet amour qu'on a pour les livres avec les autres.